Chaque jour les choses se compliquent un peu plus. Je devrais investir dans les pompes funèbres, car je parie sur ma mort comme je parie sur le sport. Ça mène à rien mais ça donne de l'espoir. Chaque jour je fais en sorte que celui d'après soit encore plus sombre. Comme une fatalité j'accepte la dépression. J'ai choisi la facilité comme bonne résolution, l'enfermement comme seule solution. Je me donne toujours des bonnes raisons. Personne ne m'aime, personne ne m'aide pendant que je rêve de nouveaux horizons. Mais est-ce que je fais le nécessaire? Telle est la question, telle est la mission. J'ai de la peine à revendre, de la haine à étendre, du sperme à répandre. Je voudrais donner la vie mais qu'on me reprenne la mienne. Putain mais c'est quoi mon problème? J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je devrais me faire aider mais je ne veux pas. Est-ce que tout ça vient de moi ou c'est notre époque qui veut ça? Le système tient plus debout, il est bancal. Tiens, parlons de lui, dirigé par des gens néfastes qui ne jurent que par leur combine. Nous endorment avec leurs comptines alors qu'ils jouent avec nos économies. Ils nous font péter les plombs, nous poussent au suicide pour réguler la population. J'ai des idées sordides mais fondées, car pleines de réflexion. Mon ami Pierrot, j'ai pas besoin de ta plume pour écrire un mot, mais je veux bien tes thunes pour sortir la tête de l'eau. On me dit de faire des études si je veux avoir du boulot, respecter les lois si je veux être heureux. Je veux juste m'épanouir, faire ce que je veux. J'aime les autres et l'univers, mais je m'enfonce chaque jour dans ma léthargie. J'ai les boules, une à la prod et une au ventre. Les choses se compliquent, j'ai fait de ma vie un enfer. Je vois de moins en moins le bout du tunnel. Je sais pas comment m'en sortir. Je sais pas comment m'en sortir.